Moïse Katumbi Tchapwe, qui est-il cet homme? Dès sa naissance, Moïse Soriano, c'est ainsi qu'on l'appelait par ses parents. Le nom de Soriano vient de son père, Nassim Soriano, un homme d'affaires juif israélien qui se retrouve dans le Katanga dans la vague nazie, après avoir échappé, comme tant d'autres juifs, au conflit dans leur contrée d'origine dans les années 1904. Sous notre neveu, le gouverneur honoraire, Moïse Katumbi Tchapwe, fils de Dada Virginie, Kalasa, Kalasa le même nom que Nkambo, Kalasa Mazwili. Donc, yé, ni mutoto mwanamuki, comme on dit chez nous. Sa mère, c'est notre cousine. Nous sommes le côté, c'est nous le l'homme. C'est dans ces contextes que Nassim Soriano rencontre et épouse Virginie Mwenda Tchapwe, couple qui donnera naissance à Moïse Katumbi Tchapwe. D'où vient alors ce nom? Virginie Mwenda Tchapwe, mère biologique à Moïse Katumbi, est le fruit de l'union de Mwenda Musengeji, fille aînée de Kalasa Mukanda Bantu, roi des Bayeki dans le royaume des Garinganza, et du prince Mukobe Katumbi du village Mukobe, village balomotois du territoire de Kasenga. C'est ainsi que pendant les exigences des retours à l'authenticité dans les années 70, les parents de Moïse Soriano décidèrent de l'appeler désormais Moïse Katumbi Tchapwe, nom totalement matriarcal et singaphone qu'il garde jusqu'à aujourd'hui. Un petit accent, Shangaji, tante. Nous sommes donc venus, nous, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos cousines, neveux, nièces, pour vous réconforter. Et eux, ce sont des enfants de nos sœurs. Eux, ils sont petits-fils, lui d'ailleurs arrière-petits-fils de Kambo Mukanda Bantu, le Mwami Mukanda Bantu, le premier successeur. Et sa mère s'appelait donc Virginie Kalasa. Sa grand-mère, Mwenda, et son arrière-grand-père, le Mwami, Kalasa Mukanda Bantu, Mumbulu, comme vous l'appelez, Mwami, le grand guerrier, le redoutable. Donc quand il vient nous voir, on sait que politiquement, il est très sollicité. D'autres provinces, d'autres villes, d'autres royaumes, il va les saluer, il va les visiter. On lui donne le temps. Il est déjà venu plusieurs fois. C'est chez nous, c'est chez lui. Et il viendra ici, il va à la tombe de ses pères, de ses grands-pères. Il vient me voir. Soit les dents d'une bougie, ou à Télégane et Ngoma, les tambours de Moussi les Puits, donc Limouipoua et tout, mais ils ont grandi avec leur père à Kachobwe. Moïse Katumbi est né donc à Kachobwe, secteur de Luapula et territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga, le 28 décembre 1964. À l'époque, Kaindu, aujourd'hui Kachobwe, ces terres sont jusqu'à ces jours sous le règne du Mwami Godefroy Munongo Kaniranera, roi des Bayeke, sous la houlette du Mwami Kachobe Mwale Justin. C'est pour dire, Moïse Katumbi Tchapwe a des souches totalement yéké. D'où il est très lié à Kachobwe, mais Kachobwe c'est qui? Le frère de Moussiri. C'était le petit frère de Moussiri, Mwami Kachobwe, d'ailleurs, sous les Bayeke. Et Kachobwe là-bas c'est toujours nous. D'ailleurs c'est moi qui vais là-bas, j'introduis Kachobwe. Et tous les balopos de là-bas. Donc Moïse a un pied, un bon qui a assez de sang. Kachobwe, c'est de l'affinité. Il est plutôt vraiment un mangeur de chèvres de Bunkeya, de Mutoto et tout. De la lignée royale de Bayeke, Moïse Katumbi a passé une partie de son enfance à Kapolu et Mission dans les territoires des Kambouves, Terre Saint-Pia et Luanzo, où il a obtenu son certificat d'études primaires et son diplôme d'État à l'internat bénédictin Kian Galilée de Kapolué. Moïse Katumbi est aussi docteur en criminologie de l'université de Lubumbashi. Homme d'affaires depuis des décennies au profit de sa patrie, la RDC. Moïse Katumbi est un homme politique indébutable, reconnu et accepté par tous
et à tous les coins du pays. Un peuple réuni désormais autour de son jeune parti politique, Ensemble pour la République. Sangaphone au sang cuivré et aux reins d'acier, ces fils du terroir n'a jamais reculé devant la lutte pour les intérêts et la défense du sol et sous-sol de ses ancêtres de l'interland minier du Sud-Congo et de tous les Congolais.